Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour un petit vlog. Voilà, je voudrais aménager le dressing de mon fils. Pour ça, j'ai trouvé un meuble qui pourrait aller au mieux à l'intérieur chez B&M. Donc voilà, là je suis devant chez B&M. Je vous amène faire un petit tour avec moi à l'intérieur parce qu'il y a toujours de très belles choses à des prix assez attractifs. Donc voilà, je vous amène avec moi et je vous reprends juste après. Thank you.
bien, me voilà de retour dans la voiture. Donc, j'ai bien trouvé le meuble que je voulais à 59,99 €. Donc, je vous montrerai le montage, tout ça dans la vidéo. Et j'ai également craqué pour un fer à repasser sans fil parce que mon mari a besoin de chemises. Alors, souvent, c'est lui qui se les repasse lui-même parce que moi, j'ai vraiment horreur de ça. Et c'est vrai qu'on avait un fer à repasser premier prix. Alors là, c'est un fer à repasser à 29,99 € que je vous montrerai. Sans fil, je pense que même si ça n'est pas d'une très grande qualité, je pense que sans fil ça peut quand même tout changer et être beaucoup plus agréable. Donc voilà, on va l'essayer, on va voir un petit peu s'il est bien et puis surtout on va monter le meuble dans la journée. Allez, à tout à l'heure. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu le dressing avant. Donc on avait des étagères tout en haut et ensuite on a une tringle ici. Donc j'avais mis une étagère qui ne nous servait pas quand on a déménagé. Et regardez un petit peu le bazar, il y en a un petit peu partout. Donc on voudrait organiser tout ça. Ici on a tout un espace qui n'est pas du tout aménagé. Et vous voyez les portes, elles sont vieillissantes, elles sont toutes tachées. Il y a plein de stickers dessus. Bon, on perdra ce grand miroir, mais ça n'est pas bien grave. Voilà, puisqu'on gagnera ici en rangement, je pense, avec le meuble que j'ai trouvé chez Babou. Donc voilà, un petit peu, je vous montre tout ce qu'il y a avant. Là, on gardera quand même de la penderie pour les affaires des enfants. Enfin, tant qu'il est enfant, je voulais dire. Et ici, on a ce côté qui est aménagé en étagère, mais qui n'est pas du tout pratique, puisque c'est complètement à droite. Voilà, donc ça va rester comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aménager, bon c'est un peu le bazar, on va aménager plutôt le côté droit. Vous voyez un petit peu les portes, on va les stocker au garage, mais moi je préférerais que l'on mette des rideaux ici et que ce soit beaucoup plus facile, même pour le petit, de tirer le rideau ici. Voilà. Voilà un petit peu le avant. Avec cette étagère qui va donc partir et ça va me permettre également de faire le tri dans ses vêtements, de trier tout ce qui lui va et tout ce qui ne lui va plus. Bon, je suis de retour à la maison, on est allé faire un tour avec les petits et quand on est rentré, on a eu la surprise, mon mari m'a fait la surprise de monter le meuble que j'avais acheté chez Babou. Du coup, je ne vous montrerai pas le montage, je vous montrerai juste le meuble monté et il est vraiment très très beau pour le prix, il fait vraiment son effet, je vous le montre tout de suite. Alors, voilà le meuble. Franchement, la couleur et tout, il est super joli avec ces petits pieds là. C'était calculé, hein, je voulais quelque chose avec des pieds. Donc on a 9 casiers qui n'ont pas de fond, mais ça c'est pas grave. Et ici, je reviens justement de chez Babou. J'ai trouvé 3 paniers comme ceci, c'était 2,99 €. Et ça va être normalement impeccable pour passer. Voilà, très bien. Donc ça va être pour mettre les slips, les chaussettes. Voilà, je n'ai plus qu'à organiser tout ça maintenant. Voilà donc, je vous reprends dans la chambre de mon fils. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider toute cette étagère là. Je vais passer d'abord un petit coup d'aspirateur sur son tapis. Pour ça, je vais utiliser l'aspirateur à vidange automatique, à vidage automatique. Hop ! Est fait, ainsi je vais pouvoir poser sur le tapis tous ces habits, ça va me permettre de trier, de faire le tri et surtout de mettre le nouveau meuble. Donc j'espère que ça va aller très bien, en tout cas mon mari a déjà enlevé les portes et il faudra qu'on mette les attaches pour les rideaux, voilà les accroches pour la barre de rideau. Allez, c'est parti. Hop, ça va faire beaucoup de bien de trier. Les affaires d'été, ça c'est celle de l'année dernière, il faut que je vois si ça lui va ou si ça ne lui va pas. Là vous voyez que j'en ai plein par terre. Hop, j'en rajoute encore. Voilà, je suis presque à la fin. Je vais enlever ça, je vais mettre le côté. Ici on a sa première guitare qui lui avait été offerte quand il avait 2 ou 3 ans.
Donc l'avantage de la garder dans le carton, c'est qu'elle reste en superbe état. Voilà, une petite guitare de chez Toys R Us, il me semble. Là, on va enlever cette étagère-ci, hop, qui est pas lourde du tout. Ça, c'est un tracteur avec sa remorque que l'on garde parce que sentimentalement, c'était la grand-mère de mon mari qui l'avait offerte à mon fils quand il est né, un petit peu après. Et puis, eh bien maintenant, hein, en avançant dans le temps, elle est décédée. Donc voilà, c'est un jouet que l'on garde sur le long terme. Voilà, j'en profite pour passer l'aspirateur à l'intérieur. Le meuble est installé, donc je trouve ça très très joli, hein, même au niveau du coloris. Et en bas, vous avez ici un petit rebord, donc du coup avec les pieds, c'est pas mal, même pour passer l'aspirateur juste en dessous ici, là. Et là, les petites panières que j'ai trouvées également chez Babou. Voilà, je vais organiser tout ça maintenant, c'est parti. Alors les t-shirts, je regarde la taille, tout ce qui est à la bonne taille, je le garde. Tout ce qui est trop petit, je vais le vendre ou le donner, suivant l'état. Après, comme ce ne sont pas des habits de très très grande qualité, ce sont des habits qui s'abîment quand même relativement vite. Ça, ça sera pour l'hiver, un tour du cou. Donc, je vais voir ce que j'en fais. Ah, qu'est-ce qu'il me reste encore? Il me reste ici des t-shirts, des pyjamas, tout est. Toutes les chaussettes, je vais les mettre dans cette panière-là. Donc je me la monte parce que sinon j'ai vraiment trop mal au dos. Hop! Et l'avantage que je trouvais à ce meuble, c'est que déjà on peut garder de la penderie de la taille de mon enfant. Et surtout, on peut poser quand on a plié tout le linge. On peut venir le poser là et ensuite le ranger petit à petit. Bon, voilà un petit peu où j'en suis. Donc j'ai rempli toutes les cases. Ici, j'ai tous les habits que je vais mettre sur Vinted ou que je vais donner, suivant l'état. Et voilà, j'ai tout trié. Donc je suis vraiment très 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 contente. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Même si j'ai encore quelques jouets ici. Il faudra que je vois un petit peu ce que je vais en faire ou où les mettre. Et vous avez également de la place ici. Voilà un petit peu ce que j'ai décidé de faire. Donc tout ce qui est... Alors là on a des manteaux qui ont été chinés, qui sont un petit peu trop grands. Ou on a des pulls qui lui vont actuellement. Voilà, que j'ai mis sur cintre, que je n'ai pas plié. Et ensuite ici on a des pulls. Alors ça j'ai trouvé dans un vide-grenier à 2 €. Un super pull en très très bon état Puma qui est trop grand. Donc voilà, j'achète pas beaucoup en prévision de quand il grandira. Mais là j'ai 3 petites choses qui sont un petit peu trop grandes pour lui. Donc ça je les garde aussi. J'ai décidé de tout mettre sur la gauche. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici on a une grande place. Alors je ne sais pas encore pourquoi. Ce qu'on peut y mettre, en tout cas, je n'ai pas trouvé de meubles qui pouvaient aller de gauche à droite, puisque là, on a moins de 30 cm, donc je ne peux rien mettre. En tout cas, je n'ai rien trouvé pour l'instant que je pouvais y mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tout ce qui est suspendu sur la tringle de ce côté, comme ça, il peut quand même mettre son bateau de pirate, mettre des petites choses ici sur le rebord. Et alors, à droite, là, je n'ai rien trié du tout, hein. J'ai des draps, j'ai des choses comme ça, donc là peut-être qu'au niveau des draps il faudra que je fasse un petit peu de tri, parce que finalement avec le sèche-linge c'est vrai qu'on a besoin de très très peu de draps. Une fois que je les ai lavés, je les remets au sèche-linge et je les remets directement sur le lit. Donc ici, pour développer l'autonomie, voilà, parce que maintenant je voudrais que mon fils se choisisse les habits tout seul, hein. Il n'a pas trop envie le matin, qu'il préfère que je lui prépare la tenue.
Donc voilà ce que j'ai fait. Ici, j'ai mis tous les pantalons. Alors au niveau pour pouvoir assortir, je prends toujours à peu près les coloris qui vont ensemble, c'est-à-dire des pantalons noirs ou bleu marine. Au niveau des t-shirts, on a un petit peu de tout, hein. On a de l'orange parce que là, c'est la mode cet été, du vert, du bleu marine. Voilà, et finalement, des t-shirts, je pensais qu'il n'en avait pas beaucoup. Et quand je regarde, eh bien, il y a toute la pile, plus trois t-shirts ici qui ne rentraient pas dans la pile. Donc, il peut prendre un pantalon, un t-shirt, un pull. Ça, ce sont les pulls du moment ou les gilets qu'il y a en haut. Voilà, et ensuite, s'il fait très très beau, ici j'ai mis tous les shorts qui lui vont encore. Ici on a les pyjamas plutôt pour l'été. Et là on a les pulls pour l'hiver qui lui iront encore l'hiver prochain. Mais là il ne va pas y toucher. Et dans les trois panières du bas, donc dans cette panière là j'ai mis tous ses slips. Ici toutes ses chaussettes. Et là j'ai mis tout ce qui était maillot de bain. Et j'ai trouvé donc ce tour du cou pour l'hiver. Donc je vais mettre les accessoires d'été et d'hiver. Voilà un petit peu ce que j'ai fait. Donc je trouve que c'est pas mal du tout pour qu'il puisse choisir ses affaires par lui-même. Et surtout pour moi, quand je me dis par exemple qu'il lui manque des pantalons, des choses comme ça. Là franchement on en a largement assez et on est loin d'une garde-robe minimaliste. En tout cas il a vraiment tout ce qu'il faut. Allez je continue. Voilà, donc maintenant on cherche les attaches pour accrocher la tringle que l'on a acheté chez Ikea. Donc je l'ai retrouvée, mais malheureusement je n'avais pris qu'un paquet, je n'avais pas vu, mais il n'y a qu'une seule attache. Donc voilà, ça c'est assez pénible, je ne comprends pas pourquoi ils ne les vendent pas par deux. Ce que j'ai fait, puisqu'on est nous dimanche matin, c'est que j'ai été chez Jiffy qui était ouvert. Et chez Jiffy c'était pareil, les attaches étaient vendues par une comme ceci, enfin en fer. Et je crois que c'était 8,99€ pièce. Et là, j'ai trouvé celle-ci. Comme ça, je me dis qu'on ne fera qu'un seul trou au mur. Ça peut être pas mal. Et du coup, ça, on n'abîme pas du tout le plafond. Ça, c'était 9,90€. Donc, on va essayer de monter ça pour fermer le dressing. Voilà, donc j'ai la tringle ici de chez Ikea. Donc, celle-ci, elle est réglable en plus. Ça, et au niveau des rideaux, j'ai pris ceux-là, les Merete de chez Ikea. Donc, on va essayer d'installer tout ça. J'espère qu'au niveau de la longueur, ça ira. Parce qu'ils vendent également des espèces de rouleaux autocollants qui permettent de faire un ourlet juste en chauffant. Mais j'ai oublié de les prendre chez Ikea. Je pensais que j'allais les prendre et finalement, je ne les avais pas dans mon chariot. Je vais regarder où tu vas percer, d'accord ? Ça, il faut essayer de le mettre comme ça. Et donc, il faut laisser du passage pour que ça puisse passer là. C'est lourd avec les deux rideaux. Ouais. Il faudrait que j'ai un escabeau moi aussi pour le. Ou alors, il faudrait mettre l'escabeau un peu plus au milieu. Voilà ce que ça donne, et bien du coup on est très très content du résultat. Heureusement qu'on avait fait plusieurs essais, déjà parce que là au bord il y avait le rail, et aussi parce qu'il faut que le rideau coulisse bien. Donc voilà, au niveau de la taille des rideaux, et bien ça touche même pas par terre, donc je n'ai même pas besoin de faire un ourlet. Et ensuite, et bien quand on ouvre en deux, hop, hop, c'est beaucoup plus pratique. Beaucoup plus pratique. Ah oui, là, je suis vraiment contente pour l'autonomie de mon fils. Hop, avec une seule main, on referme. Et voilà ce que ça donne, tout fermé. C'est très très lumineux, très très joli. Voilà, dites-moi, vous en commentaire, ce que vous en pensez. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air avant de partir. À vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça me fait vraiment toujours plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!